Tout le monde, ici Professeur Sylvain du Centre Autodéfense Bravado. Je suis avec Carl Théberge, un des instructeurs ici. Et puis ce soir, on va vous montrer comment enchaîner Americana avec une réaction où la personne allonge leur bras. Pour vous montrer ça, quelque chose que tu vas montrer. Donc, ça peut se faire de mount, ça peut se faire de side mount également. Et qu'est-ce qui arrive? On s'en vient chercher l'Americana ici. Et à un moment donné, dans mon Americana, lui commence à mettre son bras tout à fait droit comme ça pour éviter l'Americana en gardant son coude plus haut que son épaule. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais déposer ma tête à l'intérieur. Ça fait que ma main représente ma tête. Et là, mes deux bras vont venir faire un câlin pour faire une clé de coude, comme un genre de armbar. Fait que je m'en viens chercher mon Americana. Lui commence à mettre sa main droite ou son bras droit. Je vais mettre ma tête à terre juste ici. Et mon genou s'en va juste à côté de son cou, comme ça ici, pour immobiliser la position. Et là, mes deux mains, ça vient piner contre ma poitrine. Et là, mes mains tirent dans cette direction-là. Et à cause de ma tête, son bras n'est pas capable de suivre le mouvement. Et c'est à l'extension de son coude. Ça marche très, très bien. Donc, je m'en viens pour mon Americana. Lui, il décide qu'il veut mettre son bras droit pour éviter l'Americana. Ma tête s'en va à l'intérieur de son poignet. Mon genou à côté de son oreille. Je le tiens contre moi. Et là, je tire avec mes bras dans cette direction-là pour commencer à faire mal à son coude. Il y a un lien un petit peu en bas à gauche de l'écran ou à la votre droite de l'écran. Si vous remplissez le lien, vous allez avoir un mois gratuit chez Bravado pour pratiquer les mouvements qu'on vient juste de faire. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez et commentez, et ça nous ferait plaisir de faire une autre vidéo pour vous. Merci beaucoup, Carl. Great technique.